va commencer le tout parce que y a quand même du stock là. Donc si on regarde donc là la semaine passée, ben, non excusez, mardi, on a fait les commandes de base pour pouvoir être en mesure de se déplacer dans l'arborescence, la manipulation, la visualisation de fichiers et l'édition simple de fichiers. Il y avait le petit atelier qui était là, bon il est encore là, hein. Je pensais peut-être la semaine prochaine qu'on pourrait regarder ça, peut-être jeudi, donc j'avais mis une parenthèse, pas sûr qu'on allait faire la formation, peut-être qu'on pourrait capitaliser sur cette dernière journée pour avant le temps des fêtes, pour faire des exercices ou revoir les exercices, poser des questions sur les exercices ou les compléter s'ils n'ont pas été faits. Juste pour avoir un peu de pratique, parce que c'est ça que quand moi je montre au tableau, c'est toujours assez évident. Mais quand on arrive pour faire la recherche, on cherche la commande, on se demande. Bah c'est là, je pense qu'il y a une plus-value en fait de recherche. Et surtout pour pouvoir me poser des questions aussi face à l'exercice. Donc ça on ferait ça, donc pas mardi, mais jeudi pour le dernier cours avant le temps des fêtes là. Donc pour les commandes de base, donc là on est encore vraiment dans l'utilisation du système au niveau simple si on peut dire, donc au niveau utilisateur, donc on tombe pas du tout dans l'administration. Je pense que mardi on va juste voir un peu aussi comment installer des logiciels. Bon, il y en a peut-être qui savent déjà, mais juste pour voir les commandes afin que si pendant le temps des fêtes vous décidiez de commencer à installer de manière frénétique des applications sur votre laptop, vous soyez en mesure de le voir simplement comment le faire. Bon, donc c'est parti. Donc on va commencer avec les commandes, donc l'exécution en tant qu'administrateur, donc l'équivalent du run as, la commande sudo, donc pour switch user and do, comme on peut le voir ici, c'est l'acronyme, nous permet de rouler un exécutable, un binaire, en tant qu'administrateur. Par défaut, quand on l'exécute, hop, il va le rouler en tant que root, donc comme l'administrateur, mais ça serait possible de lui dire sudo, donc roule en tant que l'utilisateur Apache, ou roule en tant que l'utilisateur déploiement, ou peu importe. Donc ça nous permettrait de simuler que je l'exécute en tant qu'un autre utilisateur. Donc si l'utilisateur dit ah, j'arrive pas à faire ça, ben tu peux l'exécuter la commande et visualiser comment ça marche aussi. Mais je te dirais que 95% du temps, on va vraiment vouloir l'exécuter en tant que root. Donc ça nous permet d'être avec notre utilisateur régulier qui a des droits simples et d'exécuter uniquement sur demande des commandes d'administration. Donc pour le côté sécurité, c'est aussi mieux. Et si on regarde par exemple donc dans la fenêtre que j'ai là, l'exemple, donc j'ai Alex qui roule la commande sudo. En fait, moins L, ça va nous permettre de lister les commandes qui sont disponibles. Et en fait, pour vérifier, par exemple, si quelqu'un par exemple, laisse son ordinateur là et quitte sans avoir locké son poste, au grand malheur sur lui. Ben, personne ne fait jamais ça, bien entendu. Et en fait, si je voulais rouler une commande en tant que cette personne-là, donc subtiliser son identité, je ferais sudo, donc le runas, mais hop, il va me bloquer, il va me demander mon mot de passe pour valider son identité. Ceci est pour une période de temps, donc quand je fais le sudo, ben pendant, ça dépend des distributions, pendant 5, 10 ou 15 minutes, il ne va pas me le redemander, là. Donc ça évite de tout le temps avoir à retaper son mot de passe, mais si ça fait longtemps, je ne vais pas taper, au moins il y a une validation qui va se faire. Oui, c'est paramétrisable à l'intérieur du fichier de configuration. Je ne m'attarderai pas sur le fichier, je voulais surtout montrer que le sudo était là, encore dans une perspective utilisateur. Quand on fera l'administration, on verra comment attribuer ses droits et comment faire justement cette paramétrisation. C'était vraiment l'optique utilisateur dans la situation présente. Donc, si donc pendant le temps des fêtes, vous vous dites « Oh, il faut absolument que j'installe tel logiciel et qu'il faut faire une configuration en tant qu'administrateur. » Bon, là, j'ai donné l'exemple avec le sudo, l'utilisation de l'éditeur qu'on avait vu
plus tôt dans le cours, donc nano dans le cas présent, on verra VI plus tard, et on fait le fichier de configuration que je veux utiliser. Il est possible aussi de switcher complètement en tant que route, donc au lieu de rouler juste une commande, de passer tout son environnement en tant qu'utilisateur. Vous voyez que j'ai pris beaucoup moins de temps pour le spécifier, et comme je dis, personnellement, je trouve que c'est mal, mais parfois c'est un mal nécessaire parce que certaines applications l'obligent d'être complètement en route. La problématique, c'est qu'on perd toute traçabilité. En fait, quand on utilise sudo, chaque commande elle est loguée dans le système. Donc là, si on passe tout en route, c'est comme si on se loguait en tant que route directement. Donc il pourrait avoir des problèmes, puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on évite de le faire. Donc, bon, là ce que je vais couvrir, c'est trouver en fait les fichiers. Parce que si vous désirez installer un logiciel, vous allez sur le forum, vous voyez, ah le gars il va vous dire, c'est simple pour faire la configuration du partage de fichiers, il faut juste changer le smb.conf, puis voilà, ça, faut juste rentrer tel paramètre dedans. Ok, cool, il est où le smb.conf? Parce que le gars, il a tellement l'habitude de travailler avec, que, bon, bah, pour lui, c'est évident, puis il n'y a pas besoin de préciser c'est quoi le chemin au complet. Ou vous allez souvent vous retrouver des situations comme ça. Donc, en fin de compte, ce que je voulais couvrir, c'est cette localisation. Donc, trouver, il est où le fichier? Et on va voir deux commandes pour faire l'exercice, find et locate, pour pouvoir voir comment trouver l'information. Donc, le plus simple, on va commencer par find. Peut-être agrandir un petit peu. Find va me permettre de faire une recherche. Donc, par exemple, dans l'exemple qui est ici, find, à partir de où je vais faire la recherche, donc slash etc, et après je vais mettre un paramètre, comme dans le cas présent, smb.conf. Donc je dis tirer name smb.conf. Et là, ce qu'il va chercher, donc, le fichier exact. Hein, si c'est smb.conf 2 par exemple, là il ne le trouvera pas. Hein, c'est vraiment strict au niveau de la recherche. Si je veux, par exemple, je l'ai l'exemple ici. Si je veux faire une recherche smb.conf, là il va me donner toutes les infos. Donc il va falloir que j'utilise un wildcard pour pouvoir visualiser si c'est pas exactement le même. Bien entendu, je pourrais mettre. De point étoile toto étoile, donc il va falloir que je précise ces étoiles de chaque côté pour me dire qu'il y a le wildcard. Par défaut il le fait pas, il va chercher exactement ce qu'on lui a donné. Ok, bien sûr, si je voulais avoir tous les fichiers, je pourrais faire étoile hop, ou même pas d'argument, mais bon, donc là il va tout me donner. Ok, question? Ok, ouais. Parce que grep va te permettre de faire une recherche dans un fichier, et là ce qu'on recherche c'est le nom du fichier. C'est pas la même ouais c'est ça, c'est pas la même désir à ce moment-là. Okay. Donc le deuxième exemple c'est la même chose que le premier, sauf que je cherche à partir de la racine. Sous GNU Linux, on n'est pas obligé de définir le répertoire de recherche. Je pourrais dire juste find name smb.conf et par défaut il va chercher à partir de où on est. Mais ça ne marche pas dans tous les systèmes Unix. Sur Solaris, il ne va pas vouloir. Donc là j'ai fait une recherche, le résultat d'une recherche réelle. Ici comme on voit, vu que j'ai utilisé find avec mon utilisateur régulier, bah, j'ai quelques permissions denied, mais il me donne quand même le nom du fichier parce que j'ai pas les droits en fait, je suis pas en tant que root pour pouvoir faire les recherches dans l'ensemble des répertoires. Ok. Là on a fait une recherche avec un nom, mais il y a plusieurs options qui est possible. Donc rechercher par type de fichier, donc le type je pourrais chercher pour un répertoire ou autre type de fichier. Je peux rechercher avec user group, donc qui est le user qui est propriétaire du fichier, quel est le groupe, la taille, les temps de modification ou même les permissions d'un fichier. Donc pour rechercher vraiment tous les permissions, tous les fichiers dont les permissions où tout le monde a le droit d'écrire dedans.
Ça va? Yeah, continuons. Locate ou UpdateDB qui va nous permettre aussi de faire une recherche. Donc c'est aussi le même objectif. L'objectif c'est de trouver un fichier. En fait, GNU Linux, la majorité des distributions l'offre par défaut. Pas toutes, mais la majorité. En fait, à toutes les nuits, le système, lui, il fait lui-même un find de tout le file system et il trouve tous les fichiers. Et il les met dans une base de données. Okay? Donc ça va me permettre, après, en utilisant la commande locate, de rechercher un fichier. Et lui, il va regarder dans sa base de données. Donc au lieu de lire, de parcourir le disque dur, qui est comme demandant en I/O, qui me prend du temps, ben lui, il va regarder dans sa petite BD, hop, qui est optimisée, et hop, il va me trouver le fichier et il va me le fournir directement. Donc c'est beaucoup plus performant en termes de rapidité. Le problème, c'est que ma base de données, elle est outdated. Parce que si je viens de créer le fichier, après que le système d'update de DB y est passé, ben il sera pas là, il sera pas répertorié. Donc c'est pas en temps réel. Bien sûr, je peux lancer l'update manuellement de ça, mais à ce moment-là, il y a moins d'avantages là. Ok. On verra. Je peux faire la démonstration. Si on regarde, si je fais un find USR dans USR, un nom, par exemple Linux, je vais mettre des étoiles un petit peu partout. Donc, je roule. Bon, là ça travaille, ça travaille. C'est quand même assez long. Il y a des moments où c'est plus long, surtout quand je tombe dans le header. Par contre, si je fais un locate de Linux, hop, bon, là j'en ai beaucoup plus parce qu'en plus j'ai tout le download du Android. Bon, en fait, c'est le listing qui est plus long que. Ouais. Et si je fais l'exercice avec Linux.h. Là, il cherche, puis là on voit pas, mais il y a la petite lumière de mon disque dur qui est allumée. Par contre, si je fais un locate de Linux.h, paf, tout de suite il me l'a fourni. C'est dans l'exercice qu'on aura. C'est la réponse de l'exercice. Hop! C'est comme ça que j'ai trouvé un exemple qui n'est pas toujours évident. Ça va? C'est ça, un point gratuit. Bien entendu, cette update de DB est roulée en tant que root. Donc, on peut voir l'ensemble des fichiers. Si on a besoin, je peux faire un sudo update DB pour forcer. Ah, bien sûr, il faut, comme je disais, rentrer mon mot de passe. Et là, en fait, il est en train de parcourir le disque dur pour mettre à jour cette BD pour le locate. C'est un très bon point. Effectivement, originalement, avec le locate, j'arrivais à voir les fichiers qui ne m'appartenaient pas et pour pouvoir voir ce qui était sur le système. Ils ont corrigé le problème. C'était une super faille de sécurité. Mais là, tu vois, si je fais un dans root, tu vois, j'ai cherché donc locate root. Si je remonte, j'ai aucun fichier du slash root. Il fait attention avec la question du permission là. Oui, mais avant c'était bien, on arrivait à browser l'intégralité du file system, même si où j'avais pas le droit d'aller. C'est un très bon point. Méchante. Je sais pas c'est quoi le PHFile.6. Ouais, c'est ça. C'est le cache de l'indexing où il va mettre l'ensemble des fichiers qui sont sur le système pour pouvoir faire une recherche plus rapide. Donc, ça va être ça, l'update DB. Ok. Donc maintenant, on va voir l'archivage.
et l'extraction de données. On fait le tar avec le GZ et BZ2. La majorité des fichiers qui sont fournis sous le GNU Linux sont fournis en tar GZ ou en tar BZ2. En fait, c'est le système de compression. C'est un peu l'équivalent du zip, mais une petite particularité. Fait quand on voit le fichier, donc on voit c'est il y a deux extensions, le tar puis le gz ou le tar.bz2. Donc c'est les deux formats. Donc on va voir, hop, attends, ajuster file point file point. Fait pourquoi il y a deux parties? C'est que la partie du tar, lui, c'est pas compressé. Un fichier tar, en fait, ce qu'il fait, on le voit dans l'image qui est ici, lui, il s'assure, il fait une concaténation des fichiers pour que ça rentre, au lieu d'avoir plein de plusieurs fichiers dans des répertoires, etc. Lui, il s'assure de les mettre en un fichier, un bloc, qui va être plus facile à transférer, à copier, etc. Mais, donc, si l'ensemble de mes points qui sont ici fait par exemple 5 gigs, ben le fichier ici sera 5 gigs. Il n'y a aucune compression qui est réalisée à ce niveau-là. Donc ça, c'est la partie tar. Donc évidemment, si j'ai plusieurs fichiers, tout dépendant c'est quoi, bon si c'est du MP3, est-ce que ça vaut la peine de le compresser? Non, parce que c'est déjà compressé, mais bon, selon le cas, quand j'ai des fichiers texte ou autres. Donc on a la partie GZ qui lui va me faire la compression. Ici, j'ai la compression par la suite. Compresse. Hop. Ici. Ici, j'ai ma compression. Donc, lui fait la compression, non pas sur l'ensemble des petits fichiers, mais sur la concaténation, donc le rassemblement en un fichier de mon tar. C'est pour ça que c'est en deux parties. Hein? Aujourd'hui, les applications GNU nous permettent en une commande de faire l'archivage, donc le tar et la compression. Mais aussi, on pourrait le faire en deux commandes. D'abord, je décompresse et après, je désarchive. Ou inversement, j'archive et après, je compresse. Ça va? GZ et BZ2, c'est grosso modo la même chose, hein, c'est juste l'algorithme qui change de l'un à l'autre. BZ2 est plus performant, si mes souvenirs, puis là je le sors un peu de mon chapeau parce que j'ai un doute, mais originalement c'était dans mes souvenirs 33%, mais là je ne mettrai pas ça comme du cash, là, je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, là. Mais la compression est meilleure, mais ça prend plus de CPU évidemment, là, pour faire le traitement. Okay. Ouais, effectivement. Ouais, GZ est plus populaire et BZ2 un peu moins. Donc là j'ai mis bon les extensions et l'équivalent MS-DOS à cause apparemment là j'ai pompé ça là, sur Wikipédia évidemment parce que sinon ça serait pas libre mais donc juste pour l'équivalent sur le format DOS. Donc ici j'ai mis les commandes. J'ai mis la commande. Ici, on voit, donc ça, c'est la commande du tar. Donc, c'est juste sans la compression. Donc, C pour create, V, bon, verbose, c'est optionnel, pour lister, et le F pour lui dire, mets ça dans le fichier qui est là. Donc, il fait la création du fichier tar avec une liste de répertoires ou du fichier que je lui donnerai. Donc, il va faire la concaténation à l'intérieur de ce fichier. OK? Pour lister ce qu'il y a dans un tar, ben TVF, donc T pour tu vois ce qu'il y a dedans, et le F pour le fichier, je sais pas c'est quoi pour T là, pour listing sûrement là, ou je sais pas. Et là il va me lister à l'écran le contenu du fichier.
et X pour extract, V encore vers browse parce que j'aime bien voir la liste des fichiers qui passent, et F pour le fichier, pour dire c'est ce fichier là. Sinon il s'attend à voir à partir du standard input, où là il va l'afficher à l'écran, là il s'attend à l'avoir en entrée. Et ici je pourrais, ah ouais c'est vrai, si j'ai un gros fichier tar et que je veux juste récupérer un fichier dedans, je veux pas extraire l'ensemble du tar. Bon, tout dépendant de la grosseur du tar, ça peut être intéressant. Donc si j'ai un tar de, qui fait pas 20 gigs, mais je veux juste un fichier de 5 mecs dedans, ben, je pourrais au lieu de dire tu extrais de cette archive là et lui fournir la liste des fichiers que je désire avoir. Donc là il va faire juste hop. Par contre, c'est possible, si le fichier il est à la fin, ça risque d'être long quand même. Il ne va pas d'extraire les 20 gigs, mais quand même, il va falloir qu'il parcourt et qu'il cherche le fichier à l'intérieur. Il va passer à travers le fichier des 20 gigs quand même. Bah, par contre, s'il le trouve au début, c'est bon. Mais il va quand même faire le parcouring. Mais il ne va pas te prendre le 20 gigs sur le disque dur. Donc, tout dépendant dans quelle situation tu es, ça peut être intéressant. Donc là on a vu, ça c'était le tar sans la compression. Avec la compression, ben on rajoute l'option Z à chacune des étapes. Donc création ZCVF, listé ZTVF et extraction ZXVF. C'est simple, pour BZ2, ben, au lieu de Z c'est J. Moi ouais, c'est ça, exactement, J comme dans BZ2. Normal. On verra les man page après pour trouver l'option qui est conforme. Ici, je fais la démonstration donc de l'utilisation de gzip et de bz2, mais à l'extérieur d'un tar, parce que je pourrais avoir des gros fichiers que je voudrais juste compresser. Voilà, je donne l'exemple avec des fichiers texte parce que ça a l'avantage de très bien se compresser. Donc ici, gzip. Le fichier texte. Le résultat, c'est que le fichier texte va disparaître et il va rajouter l'extension .gz après. Donc à la fin, si je compresse le fichier .txt, j'ai pas deux fichiers, mais j'ai juste le fichier compressé qui reste. Il y a une option pour lui dire laisse le fichier original aussi, là, mais par défaut, c'est pas ça qui fait. Okay. Pour la décompression, j'ai unzip ou gunzip du fichier. Là encore une fois, j'aurais pu le fichier GZ, mais j'aurais juste le fichier texte. Ça va? Même chose, bon, bzip compression, bunzip pour décompression. Ok. Ah. Là, commande qui peut être intéressante, c'est juste pour rajouter un petit peu de matériel aussi. Pour visualiser un fichier texte, si, ben, ça marche pour un fichier texte, mais si tu aurais une image qui serait compressée ou un tar, ben, ça ne te sert pas à grand chose, mais bon, peu importe. On peut utiliser la commande bz4 ou z4 qui permet de afficher le contenu d'un fichier texte directement à l'écran sans être obligé de le décompresser. Donc lui, c'est comme la commande 4 qu'on avait vu mardi, mais lui il gère la compression à ce moment là. Donc ici j'ai donné juste un petit exemple où là je rajoute le pipe grep et le mot que je recherche qui peut être pertinent selon le cas. On verra l'utilisation du pipe grep sûrement au retour des congés, mais je doute avoir le temps de le faire avant. Et la commande pour changer son mot de passe, PSSWD, il demande le... Ah, il a pas demandé l'ancien, tu vois. Ouais, c'est peu... Je suis étonné qu'il... Ouais, c'est ce que je pense. Ah, là, effectivement, il me demande bien le mot de passe courant et le nouveau mot de passe. Je présume que... Ouais, je sais, il a pas changé, parce que je veux pas le changer, en fait. C'était une feinte. Non, c'est justement ça que j'essaye de faire là. J'ai dit hop, hop, là il me dit password and change, puis là il continue à me le demander. Parce que je veux pas le changer, sinon j'ai oublié de me connecter dessus.
Bien sûr, il est possible d'utiliser, si je suis en route, de faire password et le nom d'usager ou de faire sudo password et le nom d'usager pour pouvoir faire le changement. Ah ouais, aussi. Ah ouais, les options, j'oublie tout le temps. Il est possible de verrouiller un compte en rajoutant l'option moins L pour lock. Là, c'est significatif. Moins U pour unlock. Et aussi de définir des périodes de temps pour les expirations de mot de passe. Mais ça, bien entendu, dans le cadre corporatif dans lequel on est, ça s'applique pas, là, parce qu'on utilise des comptes AD, mais bon, ça pourrait être intéressant si vous voulez le locker quelqu'un sur votre serveur à la maison. C'est ça, il peut pas se loguer, le log peut pas se loguer sur la machine. Mais le compte existe encore. Mais le compte est toujours présent. Donc c'est pas l'équivalent d'un disable. À ma connaissance, non. Non, on peut le loguer, mais il n'y a pas de désactivation présente. Faut regarder le manuel pour être sûr, mais à ma connaissance, à moins que je me trompe. Je pense pas. Donc si on continue au niveau du man page, en fait ce que je voulais surtout c'est que là je présente des options. Après moi je suis chaud, je regardais le man page pour voir qu'est-ce qui était intéressant. C'est fort probable que j'en ai oublié. Est-ce qu'il y en a aussi qui serait intéressant pour vous, que moi j'ai jugé non pertinent, c'est possible. Donc vous avez l'utilisation de la commande man qui vous permet de voir le manuel d'une commande. Le man page est divisé en plusieurs sections, ici donc 1, 2, 3 jusqu'à 9, où on voit les premiers, c'est les commandes utilisées, donc les binaires appelés. 5 par exemple les formats de fichiers. Donc si on prend par exemple la commande password passwd qu'on avait vu un peu plus tôt, ben j'ai le password dans le manuel 1. Donc ça c'est la commande password que j'utilise pour faire un reset de password, pour changer mon password. Et j'ai aussi password dans le manuel 5. En fait c'est le fichier etc password qu'on avait bon, on n'a pas vraiment vu, mais on l'avait utilisé pour copier. Donc, j'ai etc password et la commande bin password, j'imagine. Ah, usr. Désolé. Password. Donc, si on regarde, man password, le premier qui me donne, c'est le manuel. Dans la page 1, on le voit en haut à gauche. Donc, entre parenthèses, j'ai le numéro. Je vais agrandir un peu. C'est un peu petit. Ouais. Donc là, j'ai le descriptif de la commande. Donc, le nom, le synopsis. Donc, comment écrire la commande. Donc, on voyait, je peux mettre des options comme le moins L et le nom de l'utilisateur. Ou pas d'options. Donc là, c'est entre crochets. Donc, c'est optionnel de pouvoir le mettre. La description de qu'est-ce qui a fait cette belle commande. Les options. Donc ici les premiers, là, ce qu'on voit, là, les premières parties, c'est standard. Donc, toutes les commandes, on va retrouver les mêmes tags, les mêmes sections, les mêmes chapitres. Donc, là, j'ai l'ensemble des options avec des belles petites descriptions pour m'aider à me guider là-dedans. Voilà. Donc on voit qu'il y en a beaucoup plus que le moins L que j'ai donné, puis le minimum. Et ici, je vois, cette commande 1 va faire des manipulations sur les fichiers de configuration qui sont là. Bon, c'est pas toujours... Le main page est toujours bien pour ce qui est la description et les options. Au niveau des fichiers, parfois, ils en oublient selon la maturité du logiciel. Password, en son temps, il est assez... avec le temps, là, il est assez mature. Et vous avez, en bas, qui peut être intéressant, le see also. Qui nous permet de voir d'autres commandes, c'est pas also, en tout cas comme vous voulez,
Vous avez compris? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Le cours d'anglais, c'est l'autre porte là-bas. Qui vous permet de voir les autres manuels qui sont disponibles. Et on voit ici, j'ai aussi le PISSWD, mais cette fois-ci avec le, entre parenthèses, 5, parce que c'est le manuel 5. Qui est, si on revoit, c'est pour ça que j'en ai juste nommé ces deux-là, qui est, hop, le format du fichier et les conventions. Mais comment voir le 5? Enfin, on met, hop, 5 ici. Et c'est magnifique. Là, on se retrouve, password, 5, le fichier de password, et la description, bien évidemment, est appropriée pour le bon manuel. Yeah! C'est magnifique. Et là, encore des CIALSO. Yeah. Yes. Effectivement, si on ne connaît pas la commande, c'est plus difficile. Effectivement, manuel nous, man nous permet de chercher dans les manuels. Non, non, man-k password. Je veux faire une recherche sur le mot de passe. Ouais, gros, ça. Keyword ou search. C'est en klingon, c'est pour ça. Et là, à ce moment-là, j'ai la liste avec les numéros des man page. Donc, selon le cas, je voudrais peut-être juste chercher ceux qui sont en 1, si c'est la commande que je recherche. Et à ce moment-là, on va trouver à l'intérieur la commande que je recherche. Encore là, c'est pas toujours évident non plus à trouver là. Mais si on a oublié qu'on cherche le keyword, ça peut redonner une piste. Puis là, on va dire ah oui, c'est vrai, c'était ça. Mais ouais, c'est ça. Après, Google est notre ami, c'est sûr que ça va être. En fait, on va beaucoup plus souvent chercher dans Google avant de chercher avec le moins K. Mais si on est pris sur une machine dans un garde-robe, puis que là on n'a pas notre téléphone intelligent, ou qu'on est pris où il n'y a pas internet, ben voilà, c'est ça. Ça peut dépanner. L'avantage du man sur la machine, c'est que les options sont pour la machine. Donc c'est pour notre système d'exploitation. Ils sont face à la version qu'on a. Parce que parfois, si vous cherchez sur Google, vous dites ah ouais, il y a l'option moins P là. Puis là, ça vous la tapez, puis elle dit ah, option invalide. Ah ok, ouais, mais là, je l'ai trouvé sur Google. Là, il y a le moins P, il est supposé marcher. Là, ouais, mais c'est pas la bonne version. Donc au moins, avec le manuel, ça va vous permettre de faire un cross-check avec ce que vous avez réellement sur le système. Okay. Donc ici, bon. Cette partie-là, c'est la description, donc les différents chapitres, les différentes sections, là, avec la petite description qui est appropriée. Donc là, comme on disait, trouver à l'intérieur du man page avec l'option moins K. Sinon, les sites, oh là, je suis tombé un peu à la galère, en fait. J'ai essayé de trouver des sites web où je cherchais des Madoc, mais je me suis rendu compte que à froid, comme ça, je trouvais pas. Donc j'en ai quand même listé quelques-uns. Et je vais essayer de compléter le truc pour qu'il y en ait un peu plus là, mais il y en a pas des masses là. C'est sûr que je vais souvent chercher sous Google pour commencer, mais après je sais qu'il y en a des sites de référence que j'utilise plus que d'autres, mais ça me venait pas à l'esprit comme ça sur le coup là. Ça va? Yeah. Et là il y a l'atelier, si ça vous motive. Pour faire un petit peu de pratique dans tout ça. Grosso modo, c'est le même concept que la dernière fois. Là. Ah ouais, ici, vous remarquez, il y a des fichiers. Par exemple, télécharger le fichier EXO 2. Ben, faut cliquer sur le fichier, il est là. Hein. Je vous ai déjà préparé pour des tares. Un petit peu de recherche dans le manuel pour le man page. En gros, c'est ça. Ça motive. Des questions?